Le peuple a parlé, les amis. Nous allons prendre le pack ange et démon, angel et demons. We have in this pack réactive animé, le bien ou le mal. De quel côté allez-vous basculer? Frappez vos ennemis avec le petit chapeau point d'interrogation. Pack réactif animé ange et démon. Remarque. Ce pack inclut un plan qui évolue à mesure que vous faites des éliminations. Et nous avons la variante Ange Maudit sur la K47. Elle est sublime en vrai. Hein. En vrai, elle est plutôt mignonne. Et nous avons aussi une petite variante sur le M82 qui est magnifique, qui est vraisemblablement la variante la plus jolie après le Pellington. Enfin, la Pellington, c'est pas qu'elle est jolie, c'est qu'elle est stylée. Je pense que c'est vraiment la plus cool dans un sens. Bon, après, faut aimer le délire animé, etc. Il y en a qui pourraient regretter même que la fille qui soit sur le canon ait une jupe. Petit pervers, hein, je vous vois la coquin. Du coup, on va aller prendre ça. Donc, nous avons un porte-bonheur, le bien et le mal. Nous avons une carte de visite, la grâce angélique. Nous avons une carte de visite. Ah, il y a deux cartes de visite. Ah ouais, le désir démoniaque. Mabzuel, sur lequel tu penches, toi, t'es plutôt... Moi, je suis plus désir démoniaque, moi. T'es plus désir démoniaque, donc t'es plutôt ange maudit plutôt que éclusion divine, quoi. Ouais, l'éclusion divine, je kiffe pas trop, non. Ouais, non, tu préfères vraiment être l'ange maudit, quoi. Ah oui, moi, l'ange maudit, c'est tout à fait moi, c'est mon deuxième prénom. Alors, nous avons une petite tradition ici sur Skyros TV. À chaque fois que nous allons acheter un pack, nous allons faire un concours du plus beau pigeon. Donc, Mabzuel, fais-nous le pigeon. Détenteur du titre actuel, donc vas-y, j'y vais. Ah, il est pas mal, il est pas mal. Alors dis-moi, nous avons l'honneur d'avoir Kinvé, hein, pour la sortie de son album Rêver. Et fais-nous rêver justement avec ta plus belle imitation du pigeon. Il y a un petit truc, hein. J'ai fait pigeon LV2. Ouais, tu sens le pigeon de Panam qui a respiré quelques clopes en terrasse, hein. Et Toy, tu sais faire le pigeon? Ah, il y a un petit truc. Quelque chose. Eh ben les amis, le mode pigeon est activé. Oh merde. Celui-là, il s'est coincé une couille dans une porte. C'est un pigeon pas super viril, celui-là. C'est pas le pigeon que t'appelles quand t'es en baston, hein. C'est quoi ce pigeon? Les bâtards. Et n'oubliez pas, bien évidemment, dans la boutique, le code Skyros, soutenir un créateur. Voilà, on est là, on écrit S-K-Y-R-R-O-Z, tout ça en majuscule. Bang, ajouter du soutien. Bang, soutenir un créateur, Skyros, ajouter. Bon, faut le faire avant, bien évidemment, c'était déjà fait, mais bon. Alors du coup, nous allons faire cette petite classe là. Nous allons commencer avec le fusil d'assaut, qui est ici. Dans les maps de Blablacopter, nous avons l'AK. AK-47. Alors, je fais une petite classe fantôme avec l'ange maudit. Je vais quand même mettre un petit raid, un microflex d'elle, parce qu'en vrai... L'ange maudit. Ça gâche un peu le truc, c'est un peu dommage, mais... mais la mire de l'AK, caca, quoi. Je kiffe pas. Par contre, c'est vrai qu'à la limite, une petite lunette x3 sur le... Parce que le réticule est quand même à vomir, hein, sur le... Ouais, mais on va garder la variante, on verra bien, on va garder la variante. Là, ça va faire. Je m'en vais. Au revoir, Kevin. Il est crack. C'est faux. Ouais, c'est très faux, ouais. Le mec, il avait un C4. Oh le bâtard! Oh il avait un colis! Oh la grosse bite! Pardon, excuse-moi, j'ai eu une petite réaction un peu de petite pucelle devant les One Direction, mais. Mec, il avait un colis! Mec, il est trop stylé le snipe! Oh la 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 la! Oh qu'il est beau! Oh, mais il est trop classe! Là où je t'ai ping, il réanime, il entend le piquer, il le pique. Mon ennemi au-dessus. Par contre, j'étais dessus, hein. La balle elle a pas touché. Et tu l'as en camion. Ah! Bah, je suis safe. Je suis safe, toi. Tu peux venir me ré. Hey, j'ai 0 kill pour l'instant, mec, cette game de fou! Il est monté où? Il
et monter dans le bâtiment point bleu. Sky, même moi j'en ai un. T'essayes de me faire passer pour un sandwich là. Non, on a un, c'est pour rien. Tiens, toi, tiens. Ah, franchement, le snipe est trop beau. Hein. Bah, alors, par contre, ce réticule, j'ai envie de vomir. Non, mais t'as droit, hein, t'es obligé. Gaz en approche. Pourquoi ils ont pas fait la possibilité de changer les réticules? Ils montent au shop. Je crois, je l'ai capté. Ah, mais c'est peut-être un goulag. Ah, c'est un goulag, c'est un goulag. Là, là, je te l'ai pris. Un petit dessus, train station en bas. En bas de train. Ah oui, je les vois, je vois. Là-bas. Ok. Ah oui. Ah non. Ah, ma droite. Ah non, j'ai appuyé sur carré pour rentrer le camion, tu mens. Tu mens, menteur. Mais tu mens. Allez, relance-moi ça, relance-moi ça. À terre, là-haut. En haut. Cible éliminée. Votre coéquipier est au là. S'il survit, il pourra reprendre le combat. Face. Point vert toujours. Aïe. Vas-y, rentre, rentre. C'est en haut. J'ai mis de la... Il est à terre, il est à terre. Toi, tu peux monter à l'étage, il est à terre. Tu m'as fait peur. On peut acheter la caisse, hein, je crois. Hein. Ouais, on peut. Ouais. De toute façon, comme quoi, vas-y. Kevin, il gagne le goulag. Oui, bien sûr. C'est pas ma... Si c'était ma besoin le goulag, je serais peut-être un petit peu inquiet. Ça a acheté sa caisse ici même. Vendeur marqué. Si je laisse mes sous-sous. De toute façon, on a assez pour tout. Ah voilà. Tu vois, on peut faire confiance à Kevin. C'est ça qui est bon. Bien sûr. Ah, grâce à Dieu, il y avait personne sur. Mais ça t'arrive souvent quand même, hein. Il y avait personne en face. Non mais là, c'est un peu là. Genre début de game, il y a personne. Non, si, il y avait du monde, mais c'est que je l'ai tué un peu sans regarder quoi. Ah, ça s'appelle du shit, monsieur, ça. Il y a un hélico là-haut et il y a une team qui se tape là-bas. Ouais, j'ai pris une balle. Oh, sur le toit devant nous. Tu l'as mis ou pas? J'ai juste touché un gars. T'as des balles de strike, Kevin, s'il te plaît. Boîte de mine là. Parfait ça. Yes. Lance le couteau, je le tue. Bah, j'en ai sûr. Et celle boîte de mine, elle est buggée en fait. Okay. Je plante l'hélico. Là, je mets un drone. Ils sont partis ou quoi, les gars là? Ils sont partis. Vas-y. Go shop là, ouais. Là, qui vient de passer le bandeau, là. Ah bah, on s'est séparés, on fait un 2-2 alors. On fait un 2-2. Attends, ils arrivent. May the force be with you. Il y en a un devant nous, Toy. Là. Il y a des mecs pompiers, parce que je pense qu'il y a des mecs pompiers. Bah, il y a un gars à droite en tout cas, là dans le hangar. Non, mais je pense qu'il y a des pompiers. À terre. Attention, j'ai piloté. Y'a plus de carburant. Retour à la base pour ravitaillement. Dans le hangar, Sky. Il est devant toi. Y'a raison pas, Toy, ils sont deux. Drone ennemi au-dessus. Devant toi là. Oh putain. On se retrouve à mon repère. Je suis désolé, Kevin. T'inquiète. Attention, une équipe ennemie vous a repéré. Il a rien, pote. Y'a encore du monde au shop ou pas? Mais deux, mais je peux pas. C'est bon, ils sont trois, y'en a un autre. Mais quoi? Mais pardon, mais c'est de la merde! C'est un scandale! Les mecs, je tire en. T'orange, Toy, c'est ceux qui te suivent. Là. Oh non, derrière moi, pardon. Oh non, bâtiment couvert. J'ai plus de plaque. On est mis au-dessus. Ils sont plusieurs. Moi aussi. J'ai buté leurs potes, ils sont pas contents. Hey, hey merde. Non! Oh là 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 là! Oh
Ah, je suis dégâts, munitions à pouvoir d'arrêt. Mais vraiment, mec, j'étais en pleine tête. Y'a même pas genre, j'ai tiré à côté, pleine tête, la balle. Je sais pas où elle est partie, mais. Jamais là où j'ai tiré, quoi. Vous allez devoir gagner votre liberté, soldat. Mais après, c'est vrai que le M82, il faut mettre le viseur x3. Qu'est-ce qu'on fait, Sky? Tiens, prends ça là. Si tu veux, je peux faire une réa. Y'a du stuff Sky ou pas dans le coin? Il est tout toi, non, y'a rien du tout, mec. La zone approche. Déplacement de la zone de sécurité. T'as une plaque pour le moins? Soldat ennemi en approche. Ou jeune homme? Yes. J'en ai une de même. Merci. Oh, j'ai eu soldat ennemi. Y'a une réa à droite. Ah bah ça doit être là qu'il a atterri, parce que j'ai eu soldat ennemi. Joué ça. Bon bah il s'est pris une balle de chien. Il est puissant ce. Ah le bruit est bon hein. C'est juste que le viseur est absolument pas précis de loin quoi. Mais si seulement on pouvait changer le réticule quoi, mais Mais oui. Véhicule ? Kevin t'inquiète. T'as encore des monde ça connaît ? Ouais, j'ai du monde partout encore. Je vais essayer d'aller là-bas. Bien joué. Je serais bien allé sur eux aussi, parce que moi la réelle est bonne. Comme tu es, bonhomme. Mabzo aussi, il a une réa, avec la putain. Non, parce que non, j'étais pas. C'était le dernier être réa. Mais c'est bon, j'ai de la thune, réa. Est-ce que je peux avoir les plaques, Sky, s'il te plaît? Et j'aurais bien récupéré. Encore mon tir. Merci, monsieur. Viens là, tu peux faire la réa gratuite comme ça. Ouais, j'y vais. J'ai bah, le temps que j'arrive, quoi. Tout le monde a les plaques? Yeah. Ouais. Allez, let's go. Attends, je vais prendre une petite FP5 avant de prendre le mine. Je prends les commandes. Un psychopathe. En piège passager. On fait quoi? On va le chop. Comme ça, moi, je peux me prendre une autoréa, tout ça, et tout le monde peut le faire, je crois aussi. Tout le monde le voit jaune, le chop ou pas, les gars? Moi, je peux prendre une autoréa là, avant que ça soit plus disponible. C'est moi qui me fais laser. Non. Il est one shot. Il est où surtout? Ah, il m'a eu. Putain, fils de bête. Merci, Kevin. Oula. Ah, moi je suis du coup de l'épaule. Ok. Mort. Il y en a un autre là-haut là, faites attention. Un à terre, il en reste un. Un autre à terre encore. Ouh là là, il était pas content lui. Il a dit sur le toit, putain de R. Mort. GG ça. Vous avez assez pour rien. Ils sont tous morts là? Tiens, si vous voulez. La thune est là. Je marque une grenade tactique. Je crois ouais qu'ils sont morts. Vous êtes sûr qu'on est tous morts? Je suis où pardon? Je sais pas du tout. Ah y'a un autre gars. Toi 27 mètres à droite. Oh, au-dessus! Oh shit! Je sais que j'ai un visuel. Ouais, c'est bon. T'as sûr, merci beaucoup. Y'a une sacoche là si vous voulez. Je marque une grenade tactique. Ouais, y'a une sacoche là. Une armure, prenez-la. Je sais ce que je vais pinguer, mais. Nul. Ah, il joue avec le pack. MP5, ouais. ZRG, ouais. Allez, go, on avance. Go, gadget. MP5. On a hauteur, hein. Tellement jolie cette variante. Avec le chargeur avec les roses là, magnifique. Ah, ouais, là, vraiment stylé. Hein. Là, ça a pas été loose là.
quand on est 4, mon gars, on arrive dans une maison. On la dépouille en 2 secondes, quand même. Le problème de, des snipes, encore une fois, de Cold War, c'est dès que tu te fais tirer dessus, l'arme est... Ah bon. Et vraiment, faut, ouais, qu'il, faut qu'il... Mais ils ont dit qu'ils allaient faire un patch sur les armes, sur les snipes de Cold War. Ah, typiquement ceux de Cold War, c'est ça que tu veux dire? Non, les snipes de Cold War sur Warzone. Ouais, typiquement ceux-là, les autres snipes, ça va. Les autres snipes, ça va encore, ouais, mais ceux-là, c'est horrible. Dès que tu te fais toucher... Attends qu'on te touche pas, ça va, mais si tu te fais toucher alors que t'es en train de viser, ton arme, elle se lève tellement haut, tu peux rien faire, quoi. C'est pour ça que tout le monde joue avec le Kar 98 ou le SPR, quoi. Et ils sont bien les snipes de Cold War, hein. Bah, en vrai, c'est le Pellington et le Tundra sont très bons, mais bon, il y a cette particularité qui font qu'ils sont... Bah, ça vaut pas le coup de les utiliser par rapport aux autres, quoi. Il y a des gens qui sont anti-car et qui veulent le patch absolument, qui disent que c'est cheaté, etc. Oui, mais il faut monter, il faut monter les autres. Il est trop mal quand il tombe, le type. Bah, non, mais c'est un sniper, les gars. Bon, à la limite, un petit temps de visée un peu supplémentaire. Voilà, comme celui-là, par exemple. Mais le truc, c'est que tous les snipes one shot dans la tête, mais à la limite, qui vise un peu plus lentement, mais. Y'a pas grand chose que tu puisses vraiment faire. Tu vas tomber dans la plus grande tête. Ah, et... t'es tout seul. Et encore. Mon gars, super. Là, 200 mètres, tu vises à peine un peu plus haut, quoi. Après, le car, c'est un snipe que tu utilises entre 0 et 100 mètres. Hein. C'est pas un snipe que tu utilises pour du 500 mètres, quoi. Faut pas acheter un drone ou une connerie, là. Ah, moi, je prendrais bien une Autoréa, vu qu'on est quasiment fin de game et que... Moi, faut bien 1000 toys et puis après... Après, bon, chacun a son point de vue. Je peux comprendre que certaines personnes, ça les fait chier de se faire one shot avec le car et que c'est une arme qui est super maniable. À la limite, baisser un peu la maniabilité, mais en vrai, bah, les mecs, ils se font prendre des têtes au snipe, ils se prendront toujours des têtes au snipe. Quoi. Oh la retombée là, mec. Oh non, mais c'est. C'est honteux. On est niveau là, ça serait. Là, c'est là. Ouais, il y a du monde sur vous ou pas? Non, sur nous, y'a personne. Non, mais par contre, t'es là au fond. Là, j'ai pingé, là. Au village, au shop. Là. Ouais, au village, ouais, j'ai reçu une balle, je crois. Attends. Je vais prendre une auto-raise, Sky. J'arrive. Surtout si je reste au snipe sur les bâtiments. Bah, on va prendre les deux du village, hein, je pense. Hein. Village TV et Downtown. Maps, tu veux une auto-réa? Ouais, je veux bien, ouais. Tiens, viens prendre ton auto-réa. Je suis en train de bailler, là. T'endors pas, Mamzo. Ah, le truc, surtout, ah, il est tôt chez toi encore. C'est que... Ouh, attends, y'a un gars sur le pompier, là. Ah, y'a des colons de pain, là. Ennemi repéré. Sur le petit toit pompier? Ok, vu. Il est descendu. Il y en a un sur, le clocher, aussi. Je regarde Kevin, parce qu'on en a vu que deux, mais ça se trouve, ils sont quatre. Hein. Clocher, moi. Je crois qu'il y a des gars stadium, hein, qui arrivent. Ouais, ils sont là. À terre, un clocher. Ah, à terre, et un crack. La frappe sur vous, les gars. La frappe fait mal, pompier. Vas-y, Mabs. Il y a des pompiers. La frappe, elle a fait mal. Hein. Attention, bombardement de précision. Il y en a un crack, lui, il est crack, lui. Je suis tapping là. Attends, ok. La frappe a fait encore mal. Je suis pas loin, c'est rien. Sur le top, y'en a mort aussi. Un à terre là, à l'étage. Je vais monter par l'échelle, ok. Il est au roquette sur vous, il est au roquette, hein. Ah, il est parti, il est mort. La case, tellement magnifique. Oui, il y a du loot là. Un peu, ouais. Tellement beau la case comme ça. Oh la vache. Il y a du monde dans le terrain, les gars.
Bah, y a la je vais à la banque pour les quêtes. Il y a des sacoches de plaques si vous avez pas là. À l'intérieur, il y en a plein. Il y a full loot. Top prochain bat bleu, il y a du monde aussi hein, dans le trou là. Il vient de descendre. Il y a full monde devant nous, les gars. Là où il y a la prime. On avance un peu avant de se faire prendre par la rotation. Allez, go. Quoi ? On va avancer avant de se faire prendre par la rotation. Ah, d'accord. Parce qu'après, si on doit avancer en même temps qu'eux, c'est un coup à se faire mettre à terre. Et ouais, le petit village, tout à l'heure, les deux gars là, c'est bon, vous les avez vus ? Il y a un gars qui est revenu pompier. Enfin, je suis de pompier. Ok. Là, tu le vois. Il y en a du monde bat bleu. Tiens, bat bleu aussi. Hein. Quel bat bleu, Downtown ? Banque, c'est toi là ? Toi, ok, c'est toi. Ping ? Il était tout seul, lui. Ping. Oh ouais, GG ça. Non, on est bien les gars. Ah, ok. Mais il est à terre. Il a une autre auréa, je crois. Je prends le top pour vous. J'ai chez ma caisse. C'est vrai qu'il n'y a pas fantôme. Mais gars, il y a deux dans le grand top bleu. Voilà, Maps, prends un drone si tu veux et claque-le. Bien joué. GG. Vas-y, je prends un drone. Là, j'ai du monde. Je prends le top rouge, moi, ok. Je prends le top rouge, les gars. Oh, le monde qu'il y a là. Ouais, top rouge, c'est le move. Top rouge, c'est le move. Ouais, je pense. Sauf s'il y a déjà des fantômes dedans, mais. Je prends le bat à côté là pour voir la haute. Oh, mais mec, il y a vraiment un truc à faire. Il y a le gars tout seul là à côté du box. Déplacement de la zone de sécurité. Isolé. Soldat ennemi. Soldat ennemi, sur vous ? Sur moi, ouais. Non. Barré. Sky pour orange, t'en as vu ? J'ai battu un gars qui était à terre. Et ça se tape encore, il y a du monde. De toute façon, sur la colline, il y a au moins deux teams. Sur vous, il y a du ping ou pas ? Non. C'est bon ? Non. Plus de chill. Ici. Oh, il a pas pris lui. D'où il la prend pas celle-là? C'est quoi team les gars? Oh bah, il a pris lui. Lui il a pris hein. Team. 4v2, c'est eux, ils sont là-bas. C'est qui? Où ça? 4v2, au point rouge, ils sont là-bas. Ils doivent venir, ils vont devoir venir. Au point rouge? J'ai envie de trickshot. Point vert, pardon. Bon, attends, j'en mets un à terre les gars, vous voulez pas? Cible marquée pour frappe. Ici Striker 3-1, bien reçu. Frappe imminente. Notez les coordonnées de son père. Je l'ai. Mais faut le toucher combien de fois lui? Oh merde. Attends, on fait un noscope ou quoi? C'est le dernier? Attends, venez sur le toit, on fait un. Attention, bombardement de précision en approche. Non, merde. Attendez, noscope. Changement de zone de non. Ah oui, on peut le noscope. Oui, attends. Ah derrière Kevin, tout rien derrière. Il est à terre. GG. Vous allez y arriver. 360 couteaux. Et lui, il va aller sur le toit. Ah bah what? Oui. Oh la fée. Bien joué. Les gars. Et ben voilà, hey, le petit top 1 qui fait plaisir mon pote. Et avec le pack AK-47 M82. This is good. On revient de loin en plus, hein, c'est vrai que... Ah oui, on revient de loin. C'est une belle game. C'était bon ça. Bien joué.